Selon ABC, le vestiaire du Paris Saint-Germain serait ravi de retrouver le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le média espagnol révèle que les Parisiens auraient grandement célébré le résultat du tirage, avec des scènes de joie et la certitude de gagner. Lionel Messi étant même très content de tomber sur l'ennemi juré de son ancien club. Sergio Ramos, quant à lui, a été surpris de la réaction de ses coéquipiers, le principal intéressé ne voulait pas tomber face au club, dont il a porté le brassard pendant plusieurs saisons. La piste menant à Erling Haaland semble de plus en plus compliquée, mais le plan B du Real s'appellerait Robert Lewandowski. Le Polonais arrive en fin de contrat en 2023 et sera en position de force pour négocier un départ du Bayern, ce qui semble être sa priorité. Le club pourrait le vendre dès l'été prochain pour ne pas le voir quitter la Bavière libre. Sadio Mané aussi sera en fin contrat en 2023 et selon Goal, le Sénégalais penserait à découvrir la Liga. Le joueur était déjà proche de signer chez les Merengues en 2018, puis en 2019 mais sans succès. Le prochain mercato pourrait être le bon pour la Casablanca, qui pourrait accueillir le champion d'Afrique et pallier le potentiel départ d'Eden Hazard. Le FC Barcelone sera aussi écouté par le clan Mané en vue de la prochaine intersaison.